La comparaison ou l'élatif. Donc, l'élatif, c'est le schème que l'on utilisera pour faire une comparaison ou pour utiliser un superlatif. Et donc, on utilisera pour ça la base d'un adjectif, kabir par exemple, auquel on appliquera le schème afaal, et cela donnera akbar. Akbar veut dire le plus grand. Des exemples de phrases. Sha'ri atwal min sha'rik. Donc, l'adjectif tawil, long, auquel on a appliqué le schème de l'élatif. Et donc, cela donne mes cheveux sont plus longs que tes cheveux. Je préfère cette robe car elle est moins chère. Et donc, en fait, ici, c'est non pas moins cher, mais l'adjectif bon marché. Et donc, parce qu'elle est la plus bon marché. Les garçons sont plus longs de taille, grands de taille, que les filles. Et donc, j'attire votre attention ici sur le fait que atwal reste invariable car le comparatif est toujours invariable. Il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Voilà, ma salama.